vivant est un malade qui s'ignore, dit-on. Fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Parole au médecin, une émission qui a été conçue spécialement pour vous. Et je vous ai toujours dit que je reçois toujours des spécialistes tout autour de cette émission. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la Journée internationale de la lutte contre le VIH-Sida. Alors, avec qui nous allons en parler? Je ne suis pas seule sur ce plateau. Je reçois pour vous le docteur Ramsampale Ramazani, qui est médecin spécialiste en VIH-Sida, à qui je dis bonsoir docteur. Bonsoir. Et bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Alors, docteur, nous parlons de la Journée internationale de la lutte contre le VIH-Sida, qui se célèbre le 1er décembre de chaque année. Alors, de prime abord, nous voulons d'abord savoir c'est quoi le VIH et c'est quoi le SIDA? Ok, merci beaucoup. Le VIH, c'est une abréviation. V qui veut dire virus, et I c'est immunodéficience, et H c'est humain. D'accord. Donc le VIH, c'est une infection au virus VIH. Et la différence avec le SIDA c'est un acronyme qui veut dire syndrome d'immunodéficience acquise. Et le sida, c'est le stade final de l'infection à VIH. Alors, quelqu'un vous êtes... peut être infecté du VIH, okay. Il a l'infection à VIH, mais il n'a pas le sida. D'accord. Alors, lorsque vous êtes contaminé, on dit vous êtes contaminé du VIH ou vous du sida? Vous êtes contaminé du VIH, vous avez l'infection à VIH. Alors, quand est-ce que ça devient le sida? Ça devient le sida quand il y a des symptômes qui se manifestent déjà. Et c'est ce qu'on appelle des infections opportunistes, c'est-à-dire des infections qui ne peuvent pas entraîner une maladie chez une personne qui a un système immunitaire efficace, mais qui trouve une opportunité dans cet organisme-là. Il trouve déjà un état immunitaire qui est affaibli par ces virus-là, et c'est ce qu'on appelle les infections opportunistes. D'accord. À l'exemple de la tuberculose, d'autres maladies comme une cryptococcose, comme une candidose, comme une cryptosporidiose, qui trouvent déjà un terrain qui est déficitaire, immunitairement déficitaire, et c'est ce qu'on appelle infection opportuniste. Et quand déjà une personne présente, une personne qui a cette infection à VIH, qui présente des infections opportunistes, on dit maintenant qu'il a le SIDA. Le SIDA, ah d'accord. Donc c'est la dernière phase. C'est la phase finale. D'accord. Alors, quels sont les modes de contamination, docteur, à ce jour, du VIH? À ce jour, il y a toujours, premièrement la tétologie, trois modes de contamination. Donc, il y a le mode sexuel ou bien la voie sexuelle, il y a le mode sanguin ou bien la voie sanguine, et le troisième mode ou bien la troisième voie, c'est la contamination de la mère à l'enfant. Et la voie sexuelle, c'est la voie par excellence. Donc, environ 90% des personnes sont infectées par cette voie-là. Et la deuxième voie, c'est la voie sanguine. Qui dit voie sanguine, c'est-à-dire... Lorsque vous êtes transfusé. Oui, même quand vous êtes transfusé et qu'on vous transfuse un sang qui est contaminé, c'est toujours dans la voie sanguine. D'accord. Quand vous êtes blessé, contaminé par une blessure ou bien par... vous avez utilisé un objet tranchant qui est essuyé, qui est infecté, qui contient ce virus-là, vous êtes infecté, là, c'est toujours la voie sanguine. Et la troisième voie, c'est la transmission de la mère à l'enfant. D'accord. C'est-à-dire une maman qui est déjà infectée du VIH, qui tombe enceinte, et qui transmet le virus à son enfant. D'accord. Alors, docteur, nous allons partir par la voie sexuellement transmissible. Alors, est-ce que vous attrapez le VIH? Je ne vais pas dire le sida. Oui. Parce qu'à la cité, on emploie toujours que la personne est sidatique ou la personne a attrapé le sida. Alors, lorsque vous êtes en train de faire une relation sexuelle, est-ce que c'est par la première fois de le faire que vous attrapez le VIH? Où il faudrait faire 2, 3, 4 fois avec la personne qui est atteinte? Bon, la première fois ne compte pas. OK. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent occasionner cette transmission par voie sexuelle. Ça peut dépendre de la personne avec qui vous avez des rapports sexuels. D'accord. Peut-être que c'est déjà une personne, une personne qui est infectée et qui n'est pas mise sous traitement antirétroviral. D'accord. Ou soit qui est déjà sous traitement antirétroviral, mais qui ne prend pas bien ses médicaments, il a une charge virale qui est élevée, là vous êtes aussi à risque d'être contaminé. Et ça dépend aussi du comportement sexuel aussi, parce que quand on dit rapport sexuel par voie, c'est-à-dire la voie sexuelle, ce n'est pas seulement la voie entre deux organes génitaux, il y a aussi la voie organe génital et bouche. Ok.
Il y a aussi la voie organe génital et anus. Donc, ça fait partie aussi de la voie sexuelle. Okay. Et il y a des voies comme la voie par anus, la voie anale, qui a un risque élevé plus de 10 fois que même la voie vaginale. Okay. Donc, tout dépend des circonstances, des facteurs qui favorisent. Peut-être que c'est un rapport sexuel brutalisant, entraînant des blessures. Et si la personne est déjà infectée, vous avez aussi les risques élevés d'être infecté. D'accord. Donc, la première fois ne compte pas. Vous pouvez être contaminé la première fois, vous pouvez être contaminé la troisième ou la dixième fois. Et ça dépend de la façon dont vous avez... Ça dépend de l'état immunitaire de la personne avec qui vous avez eu des rapports sexuels. D'accord. Alors, docteur, est-ce que le VIH se trouve dans le sang ou dans le sperme? Le VIH se trouve dans le sang. OK. Et aussi dans le sperme, mais pas dans les spermatozoïdes. En fait, on peut avoir l'explication par rapport à ça. Le sang, tout le monde connaît le sang. Et le sperme, c'est un liquide qui accompagne les spermatozoïdes. Les spermatozoïdes, c'est cette cellule-là qui se lie à l'ovule chez la femme pour former un enfant, une grossesse. Mais le sperme, c'est cet ensemble de liquides qui proviennent de la vésicule séminale, qui proviennent de la prostate, qui essayent de lubrifier un peu l'urètre et accompagner les spermatozoïdes à sortir vers l'extérieur. D'accord. Donc, aujourd'hui, si quelqu'un a de relations sexuelles avec une personne qui est atteinte du VIH, il y a probabilité que cette personne-là puisse être aussi atteinte. Si les relations sexuelles ne sont pas, je veux dire, il n'y a pas, comme on dit à Lingala, kozo kezate. On peut dire que vous serez sain et sauf. Kozo kezate, c'est entre guillemets, okay. Parce qu'il y a toujours des micro-lésions. On appelle des micro-blessures, des petites blessures qui passent même inaperçues. D'accord. Tu ne sauras même pas que tu es blessé. Il y a des micro-lésions, des petites blessures pendant les rapports sexuels. D'accord. Donc, il ne faut pas dire quelque chose. Là, c'est entre guillemets. Donc, il y a toujours des micro-lésions. Et tout rapport sexuel est à risque. D'accord. Tout rapport sexuel est à risque. À risque, pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas d'abord le statut sérologique de la personne avec qui vous avez eu les rapports sexuels. Et si la personne avec qui vous avez eu des rapports sexuels est séropositive et qu'il ne prenne pas ses médicaments, ou soit il les prenne mais pas très bien, il a une charge virale élevée, donc vous êtes à risque, vous avez un gros risque d'être infecté par le VIH. Docteur, est-ce qu'il y a probabilité de faire des relations sexuelles avec quelqu'un qui est contaminé et qui n'a pas de charge virale élevée? Est-ce qu'il y a risque de ne pas attraper le sida? Donc, quand quelqu'un est séropositif, quelqu'un qui est infecté par le VIH, qui prend très bien ses médicaments, et il a ce qu'on appelle une charge virale indétectable ou charge virale supprimée, et le risque d'être contaminé est trop faible. Et on dit même que ce risque-là est même en deçà de 5%. D'accord. Donc, vraiment très faible. OK. Merci beaucoup, docteur, pour ces précisions. Alors, en parlant de mots de contamination entre la mère et l'enfant. Alors, ça se passe comment? C'est pendant l'accouchement ou pendant la grossesse? Et la troisième voie, c'est-à-dire la transmission du VIH de la mère à l'enfant, c'est-à-dire c'est une femme qui est infectée, qui a le virus du VIH. Sida. Et qui est enceinte. Il faut s'habituer. Du VIH, pas du sida. Il est infecté du VIH. OK. Qui est infecté du VIH et qui transmet ces virus-là à son enfant. Et cette femme-là peut transmettre ces virus pendant trois moments. Soit pendant la grossesse, soit pendant l'accouchement, le travail de l'accouchement ou bien pendant l'accouchement, et troisièmement pendant l'allaitement. Alors, ce sont les trois moments. Pendant l'accouchement, c'est... En fait, moi, la ligamine, on doit la citer. Autant quand on coupe le cordon ombilical, c'est pendant ce moment-là que l'enfant est contaminé ou comment? Oui, pendant l'accouchement, ce sont des... C'est parmi les moyens, les facteurs qui entraînent cette contamination. Pendant la grossesse d'abord, peut-être la maman a une maladie qui touche même au niveau du placenta, qui entraîne des lésions au niveau du placenta, et qui a, parce que dans le placenta, il n'y a pas un mélange de sang de la maman et des enfants. Mais quand le placenta est lésé ou bien infecté, il est malade, peut y avoir cette contamination. Et pendant l'accouchement, peut-être que l'enfant, en sortant par la voie génitale de la maman, la maman a une plaie. Ça peut... Ou soit, oui,
maman a une plaie et l'enfant aussi peut-être il sort avec des lésions, il y a un mélange de ces deux sangs-là, le sang de la maman qui a infecté l'enfant. L'enfant est à risque d'être contaminé. Mm-hmm. Et pendant l'accouchement, il y a des pratiques, pratiques qu'on interdit maintenant, des pratiques comme le fait de couper le cordon ombilical. On utilise le même ciseau qu'on a utilisé pour l'épisiotomie et c'est le même ciseau qu'on utilise pour couper le cordon ombilical. Ce sont des pratiques maintenant qu'on défend pour éviter cela. D'accord. Et surtout l'utilisation des poires. Vous allez, l'enfant qui vient de naître, on utilise poire. Le poire, là, c'est la maman qui avait utilisé ça. Ou bien on avait utilisé ça chez sa grande sœur ou bien chez son grand frère. Et c'est le même poire, là, qui a été gardé plusieurs années. C'est ce qu'on fait à la maison. Et on entraîne des lésions au niveau du nez ou des lésions au niveau de la bouche qui peut entraîner aussi. Voilà pourquoi le médecin sont là pour nous donner plus d'explications. Oui, oui. Parce que vous savez, tant vous avez bien mis quelqu'un, on est pompe. Voilà. Lorsqu'on en a, le seul pompe, on en a, c'est le même qu'on va utiliser tout le monde. Voilà. La donc, même c'est... lame des rasoirs, là, on utilise tout le monde. Ce sont des pratiques, des pratiques à éviter, des pratiques à risque. D'accord. Alors, docteur, par rapport à l'allaitement, ça se passe comment, cette contamination? Par rapport à l'allaitement, bon, selon notre protocole national, ou bien la politique nationale en RDC, on demande à toute femme enceinte d'allaiter. OK, même si vous avez le VIH. On demande d'allaiter. Si vous avez le moyen, vous pouvez ne pas allaiter, vous pouvez opter pour un allaitement artificiel. D'accord. Mais on demande toujours aux femmes enceintes d'allaiter, mais c'est avec des précautions. Et c'est comme ça qu'on sensibilise toutes les femmes enceintes, à aller aux consultations prénatales. Parce que c'est pendant les consultations prénatales qu'il faut connaître son état sérologique. Oui, on en profite pour sensibiliser les femmes enceintes, leur sensibiliser à faire le test de dépistage. Et s'ils sont, elles sont négatives, il n'y a pas de problème. Et s'ils sont positifs, directement, on les soumet sous traitement antirétroviral. Et quand la femme est dépistée tôt, elle est mise sous traitement antirétroviral tôt, la charge virale est indétectable et l'enfant aura vraiment un risque très faible d'être contaminé. D'accord. Alors, mais le grand problème, c'est quand la maman arrive en retard à la consultation prénatale, les femmes qui arrivent seulement lors de l'accouchement, et c'est pendant ces moments-là qu'on détecte que la femme est séropositive et elle a une charge virale déjà élevée et il y a un grand risque pour que l'enfant, soit contaminé. Alors, pendant l'allaitement, docteur, vous avez dit que le protocole demande à ce que la maman puisse allaiter son enfant. Alors, quelles sont les précautions que vous prenez pour que cet enfant ne puisse pas être contaminé? D'abord, il faut un allaitement exclusif. OK. Au lait maternel. Il ne faut pas mélanger. Malgré le VIH. Vous donnez le lait maternel et puis vous achetez un lait en sachet là quelque part. Vous donnez à l'enfant, vous mélangez biberon, lait maternel. Parce que les autres laits là peuvent entraîner des lésions au niveau de l'œsophage de l'enfant, au niveau de l'estomac. Donc, ne donnez que le sein. Oui, mais que le sein. Parce que même le lait maternel, il contient le virus. D'accord. Le lait maternel contient le virus. Et si déjà le lait trouve dans l'organisme de l'enfant, dans l'œsophage, ou bien dans l'estomac de l'enfant, il y a déjà des lésions, des petites plaies, il y a un grand risque aussi que l'enfant soit contaminé. Cela, on demande à ces mamans-là, à ces femmes-là, d'allaiter exclusivement au sein pendant les 6 premiers mois. Et entre-temps, ils sont en train de prendre des produits? Entre-temps, ils sont en train de prendre aussi les traitements antirétroviraux. Et l'enfant qui est né, on l'appelle enfant exposé. Okay. C'est un enfant qui est exposé parce que sa maman est déjà infectée. Et cet enfant-là est mis sous prophylaxie. Prophylaxie aux antirétroviraux. Et d'habitude, on donne l'anévirapine. Et cet enfant-là sera sous cette prophylaxie-là pendant tout le temps qu'il sera allaité pour éviter cette transmission. Alors, en grandissant, est-ce qu'il y aura des symptômes? Est-ce que l'enfant va faire le VIH ou pas? L'enfant, au fur et à mesure que l'enfant est en train de grandir, on va faire le test de dépistage pour voir si l'enfant n'a pas été contaminé. Bah, pendant combien de temps comme ça? On fait le test, et le dernier test, c'est jusqu'à 18 mois pour être sûr. Qu'on soit confirmé que l'enfant est soit contaminé, soit n'est pas contaminé. D'accord. À 18 mois. D'accord. À 18 mois, on arrête. On arrête mois, avec le dépistage. Si l'enfant n'est pas contaminé, on arrête. S'il est dit à l'enfant, est aussi sévré. OK. Parce qu'on doit arrêter le traitement quelques temps après le sévrage. Il faut que l'enfant soit sévré. Et puis, on va arrêter le traitement, la prophylaxie après. Alors, cet enfant peut grandir normalement si l'enfant n'est pas infecté, il va grandir normalement. Sans et VIH. Même si l'enfant est infecté, il sera mis sous ARV antirétroviraux et il va grandir normalement. D'accord. C'est comme ça que maintenant, on appelle plus
comme à l'époque on disait sidatique ou bien sidain, ce sont des termes qui n'existaient plus. Maintenant, on parle de personnes vivant avec le VIH. OK, des personnes vivant avec le VIH. Docteur, quelles sont les causes de cette maladie de VIH? Est-ce qu'on peut connaître les causes? On sait que c'est un virus. C'est juste un virus. C'est un virus, c'est une maladie. D'accord. C'est une maladie. Donc, il faut éviter tous ces mauvais concepts ou bien des gens qui pensent que ce sont des maladies, bien des démoniaques, ou bien on lui a jeté un mauvais sort. Diabolique et tout ça. Diabolique, non. C'est une maladie comme la malaria. C'est une maladie comme le diabète, la fièvre typhoïde. Donc, vous étiez en contact avec le virus et vous êtes contaminé. Bon. Docteur, après combien de temps que les symptômes se manifestent quand vous êtes contaminé au VIH? Quels sont ces symptômes? Voilà. L'apparition des symptômes dépend d'une personne à une autre. Il y a des personnes qui sont des progresseurs rapides. Donc, aussitôt contaminés, après quelques mois, ils développent déjà des symptômes. Il y a d'autres qui sont des progresseurs sémilents. Donc, il est contaminé après 5 ans. Là, il y a des symptômes. Il y a d'autres personnes qu'on appelle des progresseurs très lents. Donc, il est contaminé aujourd'hui après 10 ans, 20 ans et il y a les premiers symptômes qui apparaissent. D'accord. Qui apparaissent. Alors, donc, tout dépend de la personne. Mais parmi les symptômes qu'on remarque beaucoup plus, il y a des fièvres répétées, des fièvres qui durent pendant longtemps, plus de 2 semaines. La personne qui fait des fièvres, à un moment donné, ça baisse, il y a la fièvre qui augmente pendant plusieurs temps, 2 semaines, plus de 2 semaines, plus de 1 mois, et il y a les diarrhées. La personne qui fait des diarrhées à répétition pendant plusieurs périodes, plusieurs semaines. Il y a des maladies de la peau qu'on appelle des dermatoses pendant plusieurs temps, à répétition, et ce sont des signes. Ce sont des signes qui ne montrent pas que la personne est infectée, mais ce sont des signes qui orientent les cliniciens à demander un test de dépistage. D'accord. Alors, docteur, en regardant un homme comme ça, est-ce que vous pouvez vous dire que cette personne est contaminée au VIH? C'est-à-dire, je donne l'exemple, la cité. Vous avez son monde, vous avez un bébé, 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 est-ce que ça peut se faire? Non, non. Le sida ne se lit pas au visage comme ça. On ne peut pas directement, par un simple regard, dire que la personne est infectée du VIH. Et c'est le seul moyen qui rassure qu'une personne est infectée par le VIH, c'est le dépistage. Parce que quelqu'un peut avoir une autre maladie qui a fait assez qu'il puisse perdre même le poids. Donc, j'avais même oublié, parmi les symptômes, il y a aussi la perte de poids. Une perte de poids non justifiée. Coco n'a pas non justifié. Et c'est parmi les signes. Donc, on ne peut pas dire qu'une personne a le VIH en voyant seulement son apparence, soit comme elle a maigri, ou soit elle fait des diarrhées, ou soit elle a la fièvre à répétition, qu'il a le VIH. Non, le seul moyen, c'est le dépistage. D'accord. Le fièvre, ça peut être dit au paludisme. Le diarrhée, ça peut être dit à une autre maladie. Une mauvaise alimentation. Une mauvaise alimentation, un problème de digestion, des infections du tube digestif. Okay. Ça peut entraîner des diarrhées. Mais il faut forcément faire le dépistage qui rassure qu'une personne est infectée du VIH. OK. Alors, docteur, combien de temps faut-il à une personne infectée par le VIH pour développer le sida? Vous avez dit? Non, vous êtes infecté aujourd'hui par le VIH. Ça peut faire combien de temps pour développer ce qu'on a dit, le sida? Après combien de temps? Je viens de parler d'abord des signes qu'il y a des progresseurs qui sont lents. Là, on parle des signes parce qu'il y a des signes mineurs. Ce sont des signes mineurs. Mais le sida, j'avais dit auparavant que c'est quand il y a manifestation des infections opportunistes. Et beaucoup plus, le stade sida arrive quand la personne ne prend pas les médicaments. D'accord. La personne ne prend pas les médicaments ou soit la personne est séropositive, mais il ignore quelqu'un son statut sérologique. Voilà. Oui, oui. On les appelle des personnes séro-ignorantes. Donc, la personne ignore son statut sérologique. Et comme il ignore son statut sérologique, c'est-à-dire qu'il ne va pas prendre les médicaments parce qu'il ne sait pas s'il est infecté. Et s'il n'y a pas de symptômes? Et s'il n'y a pas de symptômes, il est là. Et là, le virus est en train d'augmenter dans le sang. La charge virale est en train d'augmenter. Et la personne peut développer des symptômes, le sida maladie. Et donc, ça dépend du temps. Donc, soit une personne qui ne prend pas les médicaments, ou soit une personne qui se connaît. Il est déjà dépisté positif, il a déjà consulté un médecin,
on lui a remis les médicaments pour prendre, les antirétroviraux, et il ne respecte pas la prise des médicaments. Il peut facilement évoluer vers le stade sida. D'accord. Alors, docteur, par rapport au mode de contamination, est-ce qu'il y a un risque d'embrasser, si vous embrassez quelqu'un qui est contaminé au VIH? Est-ce qu'il y a un risque d'attraper aussi le VIH? Le virus de l'immunodéficience humaine, le VIH, se trouve sous forme de traces dans la salive. Sous forme de traces, c'est-à-dire donc vraiment petite quantité, une quantité vraiment très minime, vraiment négligeable. C'est ça qu'on appelle sous forme de traces. Une quantité négligeable qui ne peut pas entraîner une transmission du virus. Mais à condition que la personne n'ait pas des plaies dans la bouche. Parce que quand il y a des plaies, la personne a d'autres pathologies dans la bouche, il y a des plaies, là ça devient un facteur de risque. Mais on ne peut pas transmettre le virus par les embrassades ou bien par les baisers. On ne peut pas le transmettre. Alors, docteur, si aujourd'hui vous êtes personnel de santé et puis vous avez fait quelques erreurs et puis vous êtes piqué avec une aiguille qui appartenait à quelqu'un qui est contaminé. Et qu'est-ce qu'on fait dans l'immédiat? Ok, là c'est ce qu'on appelle dans notre jargon AES, accident d'exposition au sang. Donc une personne qui est exposée au sang, ça peut être un professionnel de santé pendant une intervention chirurgicale ou bien pendant qu'il était en train de donner une piqûre peut-être à une personne qui est infectée et par erreur, il s'est piqué, ou soit pendant l'intervention chirurgicale, il y a eu éclaboussement du sang qui est entré dans les yeux, ou soit le médecin s'est blessé. S'est coupé. Cela aussi peut arriver lors des violences sexuelles. Donc, quelqu'un qui a été violé, et la personne qui l'a violé, on ne connaît pas son statut, ou soit on connaît le statut que la personne est séropositive. Là, on demande à ces personnes-là d'aller rapidement dans les établissements de soins de santé en déant 72 heures, c'est-à-dire 3 jours avant. Il ne faut pas dépasser les 3 jours. Il faut aller dans un centre de santé, là où il y a la prise en charge du VIH, avant 72 heures. Et une fois arrivé, on va d'abord vous faire un dépistage. Le dépistage, non pas pour savoir si à travers cet accident-là, vous êtes contaminé, parce que la séroconversion s'est faite après 21 à 3 mois. Mais on vous fait un dépistage pour savoir si vous-même, là, qui êtes venu au centre de santé, vous n'étiez pas déjà auparavant infecté par le VIH. Et une fois après le dépistage, on constate que vous êtes négatif, vous n'avez pas l'infection à VIH, on vous met sous traitement antirétroviral. On vous donne les ARV à prendre pendant 28 jours, donc soit un mois de traitement. Après un mois de traitement, on fait encore le dépistage pour savoir s'il y a une séroconversion ou pas. Et puis, on va donner le diagnostic final que vous n'êtes pas contaminé. D'accord. Alors, lorsqu'on donne ces ARV, ça va faire que la charge virale puisse diminuer ou ça va empêcher que vous développez le VIH? Les ARV, ce n'est pas pour réduire la charge virale parce que vous n'êtes pas encore infecté, mais pour combattre cette petite quantité peut-être du virus qui est entré dans l'organisme. Donc, ça vous aide à ne pas être contaminé. Donc, agir rapidement avant que le virus puisse peut-être se propager dans l'organisme. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que pour se prévenir contre le sida, il faut prendre les ARV avant? Ça peut se faire? Oui, parce qu'il y a ce qu'on appelle une prophylaxie pré-exposition. Parce que ce que je viens vous dire là, c'est une prophylaxie post-exposition. Donc, vous avez eu un accident au sang, ou soit vous êtes victime de violences sexuelles et on vous met sous ARV. Là, c'est une prophylaxie post-exposition. Mais il y a aussi ce qu'on appelle prophylaxie pré-exposition. Et pré-exposition, beaucoup plus, on donne cette prophylaxie à une catégorie des gens, des personnes. Ce sont des personnes qui sont à risque. Quelles sont ces personnes? Par exemple, les HSH, les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes. Les homosexuels. Les homosexuels. Par exemple, les couples sérodiscordants. Un couple qui vit normalement, un couple qui sont en union, marié ou des gens qui sont ensemble. On constate qu'il y a un de conjoints qui a le VIH. Et eux-mêmes, ils se connaissent. Ils se connaissent que tel, mon conjoint ou bien ma conjointe, a l'infection à VIH. On peut vivre comme ça? Ils peuvent vivre comme ça. On demande à ce qu'ils utilisent aussi les préservatifs. Et lorsque le couple veut avoir des enfants,
ils peuvent enlever et ne pas utiliser le préservatif. Mais Docteur, à condition que la personne qui est infectée doit être suivie par son médecin. Donc, la médecin doit savoir si la charge virale est... C'est conseillé de vivre comme ça dans un couple? Quelqu'un qui est contaminé et l'autre qui ne l'est pas. Est-ce qu'il n'y a pas risque que l'autre puisse t'attraper? Il y a la loi 08. La loi 08 qui a été promulguée en 2008, portant protection des personnes vivant avec le VIH. Et dans cette loi-là, une personne vivant avec le VIH a le droit de se marier. Wow. Il a le droit de se marier. De se marier. Il peut se marier soit avec une personne qui est infectée bien portant. Aussi, ou soit avec une personne qui est bien portant. Ok. Alors, dans ce cas-là... La loi permet le mariage. Il y a des précautions à prendre pour que l'autre ne puisse pas être contaminé. Il y a toujours des précautions à prendre. C'est comme ça qu'on demande au couple d'utiliser les préservatifs lors des rapports sexuels. S'ils veulent avoir des enfants, ils doivent consulter un médecin qui doit le suivre pour voir l'état immunitaire, l'état de santé de la personne qui est infectée. Parce qu'il doit avoir une charge virale indétectable. Et lorsqu'il a une charge virale indétectable, le risque de contamination aussi est trop, trop faible. Ah, ça c'est compliqué. Donc vous êtes conscient que vous êtes en train de vivre avec quelqu'un qui est contaminé? Oui, oui, vous êtes conscient. Donc il faut faire très attention par rapport à... Oui, il faut prendre des précautions. Suivre les conseils des médecins, prendre toutes sortes de précautions. D'accord, docteur, on a compris. Alors, docteur, les traitements, ça se passe comment? Le traitement, on donne les médicaments qu'on appelle les ARV. Communément, tout le monde connaît les ARV. Donc, ce sont les médicaments antirétroviraux. Antirétroviraux. Comme ça, on abrège ARV. Et le traitement est gratuit. Le traitement est gratuit. Et jusqu'en fin décembre 2021, selon nos données, nos rapports, on est à environ 460 000, donc 459 000 et quelques, 460 000 personnes vivant avec le VIH dans le pays. Et parmi ces personnes vivant avec le VIH, il y a déjà 444 000 qui sont sous traitement antirétroviral. Donc, ça se donne gratuitement? Le traitement est gratuit dans toutes les établissements, dans tous les établissements de soins de santé, là où on offre le paquet VIH, c'est gratuit. Ah, d'accord. OK. Merci beaucoup. Donc, ça se passe seulement à travers ces antirétroviraux que vous avez... Oui, on donne les médicaments, les ARV, les antirétroviraux. On va le prendre à vie ou il y a un moment où on arrête? Le traitement, c'est à vie. Est-ce que ce VIH-là, ça arrive à se finir? C'est-à-dire, il y a au bikini sida. Ça ne se termine pas. C'est comme le diabète. Ça ne se termine pas. C'est comme le diabète, c'est comme l'hypertension. Donc, alors, vous prenez les traitements à vie. Alors, ces traitements qu'on prend, c'est pour faire quoi exactement? Le traitement a plusieurs visées. D'abord, quand on donne le traitement, c'est à titre d'abord curatif. Quand je dis curatif, ce n'est pas pour éliminer la maladie, mais c'est pour permettre à ce que vous ayez une bonne santé. Parce que le traitement va faire en sorte qu'il y ait une augmentation des taux des lymphocytes TCD4, c'est-à-dire les anticorps. Parce qu'une personne qui a l'infection à VIH, il aura un état immunitaire qui est affaibli, le taux des anticorps va baisser. Et quand on donne ces traitements-là, ça va permettre à ce que les anticorps puissent redevenir, augmenter et même redevenir dans les normes, c'est-à-dire une augmentation des taux des anticorps. Et le traitement permet maintenant une diminution de la charge virale. La charge virale, c'est la quantité du virus dans le sang. D'accord. Donc, ça va augmenter les anticorps. Ça va réduire le nombre de virus dans le sang, qu'on appelle la charge virale, et ça va vous permettre de retrouver votre santé d'il y a avant. Ah, est-ce que, en fait, c'est vrai, retrouver la santé, mais est-ce que vous serez à mesure de contaminer l'autre? Non. Si vous prenez très bien votre traitement, à 6 mois de traitement, vous devez déjà avoir une charge virale indétectable. OK. Indétectable, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de virus dans le sang. Il y aura le virus. Il y aura le virus, mais quand on va faire cet examen-là pour chercher la quantité de virus, l'appareil ne va pas détecter le virus. OK. Parce que le taux est devenu très faible et l'appareil ne détecte pas. Et quand l'appareil ne détecte pas, on dit que vous avez une charge virale indétectable et même le risque de transmission diminue. Ça diminue même en deçà de 5%. D'accord. Donc, le risque devient trop minime, trop faible. Vous n'aurez plus le symptôme. Vous n'aurez plus de symptômes.
parce que vous avez retrouvé votre état de santé, les taux de CD4, les anticorps qui ont augmenté, pas la charge de diarrhée, virale qui a baissé, pas vous de fièvre, plus de diarrhée, plus de fièvre, vraiment en bonne santé apparente comme vous et moi. Pas de zona. Pas de zona. Donc vous avez aussi le risque de ne pas contaminer l'autre. Vous avez aussi le risque de ne pas contaminer l'autre. Mais le virus ne termine pas. Ne se termine pas, c'est toujours dans le sang, mais les appareils n'arrivent plus à détecter. Vous vivez avec jusqu'en... Jusqu'à ce que le bon Dieu va vous appeler. Alors, et en prenant toujours les ARV, comme vous venez de dire. Oui, oui. À vie. À vie. Les ARV, c'est à vie. C'est à vie. Est-ce qu'il n'y a pas de... En fait, on dit le médicament a toujours des effets secondaires, ou soit des conséquences, il n'y a pas? Tout traitement a toujours des effets indésirables, qu'on appelle aussi effets secondaires. Ça dépend d'une personne à une autre. Mais il y a des mécanismes, des moyens pour lutter aussi contre ces effets indésirables. Donc à chaque fois que la personne vient à l'hôpital, il consulte le médecin. Le médecin fait aussi un suivi s'il y a des effets indésirables ou pas. Et il sait comment ajuster les médicaments. Les ARV, on sait comment ajuster pour éviter aussi ces effets indésirables. Alors, docteur, nous sommes en train de chuter. Alors, quelles sont les mesures préventives par rapport au VIH-Sida? Les mesures préventives, bon, d'une manière générale, si je veux passer rapidement pour que la communauté puisse mieux retenir, il y a ABCD. 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 Ça veut dire quoi, docteur? Là, c'est très simple, pour ne pas être trop scientifique. ABCD, c'est-à-dire A comme abstinence. OK. Et l'abstinence est demandée aux jeunes. On demande aux jeunes, ils sont encore très jeunes, ils ne sont pas mariés, ils doivent s'abstenir de tout rapport sexuel. OK. Et B, c'est la bonne fidélité. On n'a pas dit fidélité, on a dit bonne fidélité. OK. Si un des conjoints est fidèle et que l'autre n'est pas fidèle, sa fidélité ne sert à rien. Ce n'est pas une bonne fidélité. Ce n'est pas une bonne fidélité. Donc, bonne fidélité, les deux conjoints doivent être fidèles. Et C, c'est le condom. Condom comme préservatif. C'est-à-dire, pour ceux qui n'arrivent pas à s'abstenir, pour ceux qui n'arrivent pas à être fidèles, on demande au moins à ce qu'ils utilisent quand même un préservatif pour ne pas contaminer. Est-ce que le préservatif est rassurant? Parce que ça arrive que ça se casse, ça, tout ça. Est-ce que c'est rassurant? Le préservatif rassure à plus de 90%. D'accord. À plus de 90%. OK. Mais ça peut aussi se déchirer. Et ça dépend. Ça dépend. Où est-ce que vous avez acheté ces préservatifs? Est-ce que c'est de bonne qualité? Est-ce qu'on a bien conservé ça dans la pharmacie? OK. Est-ce que ce n'est pas expiré? Est-ce que vous n'avez pas ouvert le préservatif avec la dent? Ou bien vous l'avez coupé avec un ciseau pour ouvrir? Le ciseau peut couper une petite partie des préparatifs et en portant, ça se déchire. D'accord. OK. Alors, docteur, là, vous venez de parler de mode de contamination par voie sexuelle. Alors, par voie sanguine, c'est-à-dire, aujourd'hui, on a l'habitude d'appeler les banaverdi, banaina, comme on dit. Yakosa Ramanzaka, même les hommes utilisent ça. Alors, quel est le risque par rapport à ça? Et puis, nous le savons, à la cité, on nous le dit, que virus acide ou mélange entier dans mon PPK et coufarnon. Est-ce qu'il y a un risque? Moi, non, à outre ça, la vernine à 10 heures, yokoutane à 12 heures au Samanzak. Est-ce qu'il y a un risque d'être contaminé? Ok, le virus de l'immunodéficience humaine, le VIH, c'est un virus intracellulaire obligatoire. Ok. C'est-à-dire, c'est un virus qui vit dans la cellule. C'est pour cela, une fois entré dans l'organisme, il cherche les lymphocytes T, CD4. Pour vivre dans cette cellule-là et produire plusieurs virus, détruire cet anticorps, les lymphocytes, et produire plusieurs virus pour entraîner encore d'autres anticorps. En dehors de la cellule, le virus ne résiste pas. Il ne résiste pas à l'air ambiant, il ne résiste pas au soleil. Mais il y a toujours un risque, parce que le risque zéro n'existe pas. Il y a toujours un risque, raison pour laquelle on demande à toutes nos femmes, toutes nos mamans qui utilisent ce moyen-là de faire des pédicures ou manicures, d'avoir leur propre matériel, leurs propres outils pour faire pédicure ou manicure. Et même les hommes, pour se coiffer, les hommes doivent avoir aussi leur propre tondeuse ou bien ciseaux.
Mais s'il n'y en a pas, il faut toujours demander à ces jeunes-là qui font des pédicures, manicures, de désinfecter leur matériel avant d'utiliser ça. La désinfection, donc, même être, avec l'alcool. Il faut être exigeant. Seulement avec l'alcool dénaturé, ça permet aussi de détruire déjà les virus. D'accord. Donc, il faut vraiment être vigilant et demander à ce qu'on puisse nettoyer, désinfecter les différents matériels qu'on va utiliser. Ou soit vous achetez vous-même vos matériels. Ou soit vous achetez vos propres matériels pour éviter ces risques-là. D'accord. Alors, vous avez parlé de l'ABC, c'est-à-dire l'abstinence, la bonne fidélité, je parlais du condom, du préservatif. Et le D, c'est le dépistage. Parce que le dépistage, c'est aussi un moyen de prévention. C'est-à-dire le dépistage précoce. Oui, oui, c'est aussi un moyen de prévention. Parce que si vous faites dépister précocement et que vous êtes séronégatif, c'est-à-dire que vous n'avez pas l'infection à VIH, ça vous aide aussi à prendre des mesures pour ne pas être contaminé après. D'accord. Et si vous êtes aussi séropositif, c'est-à-dire que vous êtes contaminé par, vous avez l'infection à VIH, ça permet aussi que vous soyez rapidement pris en charge, être pris en charge tôt pour ne pas aller jusqu'au stade sida et garder sa santé. D'accord. Alors, docteur, quel est le message que vous lancez ce soir à nos fidèles téléspectateurs par rapport à la célébration de cette journée? Oui, oui, parce que la journée mondiale de lutte contre le sida, c'est une journée qui a été lancée depuis 1988, donc ça fait 34 ans déjà. Nous sommes à la 34e édition de la journée mondiale de lutte contre le sida. Et le thème international, c'est promouvoir les technologies pour vaincre la discrimination et la stigmatisation et réduire les nouvelles infections à VIH chez les jeunes femmes. Et au niveau national dans le pays, le thème c'est « Main dans la main » pour vaincre la stigmatisation et la discrimination et réduire les nouvelles infections. Donc le message que je vais donner à la communauté, parce que depuis 2020, il y a la COVID-19 qui est apparue. C'est une pandémie qui est apparue dans le monde et même au niveau du pays et qui a fait en sorte que la tension de plusieurs personnes, de nos autorités, la tension de la communauté puisse être focalisée vers la COVID en oubliant que le VIH aussi existe. Parce que la COVID entraînait rapidement des cas de décès et le VIH tue lentement. Et tout le monde était focalisé vers la COVID en oubliant que le VIH existe. Donc le message que je vais lancer à la communauté, c'est de se prévenir. Donc la prévention. Le VIH existe, le VIH est bel et bien là, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. C'est une réalité, il faut prendre des mesures préventives. Et parmi les mesures préventives, je rappelle encore les ABCD, A comme l'abstinence pour les jeunes. Parce que la courbe, la tendance de l'infection est en train de baisser chez les adultes. On a constaté que chez les jeunes gens, les adolescents et les jeunes, la courbe commence à augmenter. Donc, nous lançons vraiment un appel à nos jeunes, aux adolescents et jeunes, de se prévenir, de s'abstenir de tout rapport sexuel. Et pour ceux-là qui n'arrivent pas à s'abstenir, on demande à ceux qui puissent utiliser le préservatif pour ne pas être contaminés par l'infection à VIH. Ou la bonne fidélité. La bonne fidélité pour les mariés, et on demande à tout le monde de se faire dépister pour connaître leur statut sérologique. Alors, par rapport à la stigmatisation, docteur, vous avez un mot à dire? Oui, j'ai un mot à dire parce que malgré qu'il y a des avancées, vraiment des avancées, si je prends les nouvelles infections, si je prends depuis 2010 jusqu'en 2021, on était à peu près à 41 000 nouvelles infections. En 2021, on est arrivé à 20 000, soit une réduction de 50%. Par rapport aux décès, on était à 46 000 décès liés au VIH. On est arrivé de 2010 jusqu'en 2021, on est arrivé à 13 000, soit une réduction de 70%. Mais malgré ça, il y a encore un pesanteur. Vous voyez même dans notre thème, que ce soit le thème international ou bien le thème national, on dit toujours « vaincre la stigmatisation ». Main dans la main pour vaincre la stigmatisation. Donc, c'est un pesanteur. Un pesanteur parce que les gens,
La plupart des gens ont toujours cette image-là de l'infection à VIH de 1983. Mm-hmm. Parce qu'au pays, c'était le premier cas, c'était en 1983. Okay. Et les gens ont toujours cette image-là. Et quand on montrait quelqu'un qui a le VIH à la télé, c'était quelqu'un qui est vraiment maigrichon, avec des côtes qui sont visibles, même à la télé, même dans les photos. Okay. Et ça faisait peur à tout le monde. Et quand on voit que quelqu'un a le VIH, on commence à le stigmatiser. Mm-hmm. Stigmatiser, c'est-à-dire l'indexer. Okay. On commence à le montrer, on dit, ah, il est là, il a le VIH. Et au-delà même de la stigmatisation, il y a la discrimination. Mm-hmm. On commence même à mettre la personne des côtés. Mm-hmm. Comme il a le VIH, elle est journaliste, elle ne va plus prester. Okay. On vous chasse. Comme il a le VIH, il est étudiant ou bien élève. Non, on le chasse de l'école. On commence à le discriminer. Et c'est ça qui fait en sorte qu'il y a encore un pesanteur au niveau de la communauté. C'est pour cela, même dans ce dernier message, je sensibilise aussi la communauté pour dire qu'il ne faut pas discriminer les personnes qui ont le VIH, il ne faut pas stigmatiser les personnes qui ont le VIH. Ce sont des gens qui sont normaux, mais qui ont une maladie comme l'hypertension, une maladie comme le diabète. Donc on peut vivre normalement avec eux. On peut dormir sur un même lit. On peut s'échanger des habits. On peut manger on ensemble. On peut même manger ensemble dans une même assiette. Il n'y a pas de problème. D'accord. Il n'y aura pas de problème. Les seuls modes de contamination, ce sont les trois là que j'ai cités. Voie sexuelle, voie sanguine ou bien transmission de la mère à l'enfant. Merci beaucoup, docteur. Je rappelle, fidèles téléspectateurs, que j'ai reçu pour vous le docteur Rams Palais Ramazani, qui est médecin spécialiste en VIH-Sida, vous avez compris, parce qu'on a discuté longuement pendant 30 minutes, et il nous a expliqué, tout en donnant les méthodes de contamination, et également comment se prévenir contre le VIH. Deux conseils à prendre à bras-le-corps, et vous avez un dernier mot? Oui, il faut aussi ajouter que je suis aussi un expert du PNMLS. D'accord. Donc, le Programme National Multisectoriel de Lutte contre le Sida, dont le secrétariat exécutif national du PNMLS, du Programme National Multisectoriel de Lutte contre le Sida. Donc, je remercie l'ONG. Ah, Easy Way, qui a permis à ce que je sois là. Merci, docteur. Et Nadine. Je sais que ce n'est pas la dernière fois. Ce n'est pas la dernière fois. C'est une première fois, mais pas la dernière. Okay. Je remercie aussi docteur Nadine Kaïba. D'accord. Qui a été vraiment un vecteur pour que je sois là, ici. Je remercie aussi ma hiérarchie du PNMLS. D'accord. Il y a le professeur Liévin Capent, qui est présentement à Colwezi. Parce que nous lançons la journée mondiale de lutte contre le sida à Colwezi, officiellement. C'est le 1er décembre. Oui, le 1er décembre, c'est à Colwezi. Et à Kinshasa, c'est pour quand? À Kinshasa, il y aura toujours une cérémonie, une manifestation le 1er décembre. Donc, officiellement, le pays a lancé ça à Colwezi. D'accord. Donc, pour le moment, à Colwezi, il y a la conférence nationale SIDA qui se déroule déjà à Colwezi. Okay. Donc, pendant que nous sommes ici, il y a la conférence nationale à Colwezi. Mm-hmm. Il y a, le 1er décembre, il y aura la journée mondiale de lutte contre le sida. Okay. Et puis après, il y aura le Conseil national multisecteur de lutte contre le sida. Mm-hmm. Parce que le PNMLS, c'est une institution de l'État qui est rattachée à la présidence et qui est sous la haute autorité du chef de l'État, son Excellence, M. Antoine Félix. Félix Tshisekedi. OK. Et je salue aussi le secrétaire exécutif national adjoint, le Dr Bernard Bosiki, et tous mes collaborateurs au PNMLS, mes collègues aussi du PNLS. Donc, je salue le Docteur Patrick Kanga, le directeur Mboyo du PNLS, le Docteur Patrick Kanga, du secrétaire qui est le secrétaire exécutif provincial du PNLS Kinshasa. C'est un collègue parce que je suis aussi secrétaire exécutif provincial du PNLS. Donc, je salue tous mes collaborateurs, mes collègues du travail. Et en passant aussi mon pasteur, je ne peux pas oublier mon pasteur. Ok, il n'y a pas de souci. Docteur Abouramabanga. Le pasteur Robert Bouda. La parole, la bonne parole du salut Lingwala. Ok. Merci beaucoup, docteur. Et merci beaucoup à docteur Nadine Kaïba de la fondation de l'ONG Easy Way pour cette opportunité. C'est Yenda Abengi, docteur Aya. Merci. Docteur, pour ça, il faudrait partir. En tout cas, merci, docteur Nadine, de là où vous êtes. Je sais qu'on va toujours collaborer. Fidèles téléspectateurs, merci à mon équipe technique. Est-ce qu'on rappelle d'abord à ma banga, docteur Aboki ma banga. Alors, Eric Ndongala, Kampanche, ça va?
Et puis je vois là Papa Freddy. Et puis il y a Lazik Makoukoula. Merci à vous pour cette belle émission. Et sans oublier. Sans oublier ma femme. Ah, vous avez oublié. Elle va vous tuer. Je clôture par ma femme. Les enfants. Madame Lina Chimungumuya et mes trois enfants. Ok. Liel Liran, Zouena Bilal. Il y a Wilbert Mpale et Claudia Nsea. Ok. Magalette. Madame, je vous dis bonjour. De la part du docteur. On se retrouve très prochainement avec un autre numéro de Parole Médecin. Bye bye.